de travailler avec des classes d'Aix-en-Provence, de Marseille. C'était assez loin, du coup, on s'imaginait pas, on connaissait presque personne, enfin même personne de là-bas, et ça a été vraiment la surprise de voir leur caractère, leurs qualités, leurs défauts. Enfin, c'était vraiment super. Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était super. On était tous soudés, on se parlait tous, on s'aimait tous, tout le monde délirait ensemble. J'ai appris à faire des débats, à savoir mieux m'exprimer aussi avec des activités d'éloquence. Si tous les lieux étaient comme The Camp, bien sûr que ce serait parfait en fait. Si on recyclait nos déchets tous, si on était moins dans la consommation, ce serait génial. Il faut faire les bivis parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne fait pas ça tous les jours. C'est très rare qu'on puisse être invité pour participer à ce projet-là. Il y a des trucs qui ne s'enseignent pas, des trucs comme je sais pas, la maturité, le respect, qu'on ne peut pas apprendre au lycée ou dans un cours. Et au Bivicamp, en fait, ce qui était spécial, c'était que, au lieu d'essayer de nous enseigner ça comme si c'était une leçon, on nous entourait juste des personnes, des outils, des opportunités et de la communauté qu'il nous fallait pour nous permettre de repousser nos limites. On nous faisait confiance pour le faire nous-mêmes. Et c'est ça que j'ai adoré, parce que le Bivicamp m'a fait grandir. Grâce à vous, on a réussi à apprendre des choses qu'on n'aurait jamais appris tout seul, qu'on n'aurait jamais appris à l'école. On vous pousse à vraiment appliquer notre pensée critique, à se poser des questions. Et ça, c'est vraiment des compétences qui n'ont pas de finalité, parce que c'est pas un atelier qui finit à la fin de cette semaine et on rentre chez nous. Et c'est fini, c'est pas comme vous avez dit, juste polo, on fait du sport.